polpetta di pomme de terre, au taleggio et à la bressaola. Voilà, ici nous avons fait une petite purée. Bressaola, taleggio. Jaune d'œuf. Alors, et on met ça dans la chapelle. Directement, on va mettre cuire sur papier de cuisson, à feu moyen. 2-3 minutes de chaque côté. Voilà, maintenant 2-3 minutes qu'elles ont cuit de chaque côté, on peut les servir. Polpette de pommes de terre à la bressaola et au taleggio.